posté à quelques dizaines de mètres à peine, a déserté. Il rejoint son cousin qui fait partie du bataillon du Sein. Beaucoup de familles sont séparées, certaines étant restées du côté du régime, d'autres vivant dans la zone libérée par l'armée syrienne libre. S'il y a deux ans, les désertions étaient postées sur Internet avec fierté, aujourd'hui les représailles sont connues. La famille du déserteur vit du côté loyaliste. Pour l'épargner, ils imaginent une mise en scène. La manipulation des médias et des réseaux sociaux est indissociable de cette guerre. Une stratégie désormais récurrente, à laquelle renvoient aussi les horreurs des décapitations mises en ligne par Daesh, l'État islamique.